Et la seconde pièce, bah, c'est un solo en fait de Ben von Covenberg qui s'appelle Les Bourgeois. Ah oui. Donc voilà, donc bon, qui est une pièce qui a été dansée plein plein de fois. Donc moi c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que, enfin, comme dans la danse, enfin, en fait j'ai fait de la danse à la base plus pour, c'était pour moi plus un défouloir en fait la danse qu'autre chose. Et en fait en arrivant dans la compagnie, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont beaucoup apporté. Il y a une personne donc qui s'appelle Samuel Murez avec qui je travaille beaucoup, qui m'a vraiment enseigné plein plein de choses, dont la notion du détail, du phrasé, enfin toutes les subtilités en fait de la danse dont je me moquais complètement quand j'étais petit. Enfin, pour moi, c'était sauter, faire les tours et rien d'autre m'intéressait. Et en fait, en vieillissant, en mûrissant un peu, et en le rencontrant aussi, je me suis vraiment pris de passion pour ça et pour jouer des personnages aussi. Je ne pensais pas que j'aimais ça tant que ça, mais en fait, ça fait vraiment partie, enfin, c'est une des raisons majeures pour lesquelles je fais ce métier. Je pense que c'est pour interpréter, quoi. Et donc, du coup, Les Bourgeois, ça réunit complètement ça. Il y a à la fois l'interprétation d'un personnage. En plus, il y a un micro-arc chronologique parce que c'est une variation qui est très très courte quand même. Mais pour moi, au début, il est bon. C'est un peu le titi parisien, on va dire. Il arrive comme ça. Bon, il explique aux gens comment il faut faire leur vie. Puis plus ça va, plus ça passe, plus il est comme s'il était ivre en fait. À la fin, il insulte les policiers d'ailleurs. Et j'aimais bien le côté un peu humoristique, le fait de raconter une histoire aux gens, d'avoir un contact avec le public aussi comme ça, c'est sympa. Et puis la gestuelle est très très sympa. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc voilà. Dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient. Et le corps vient nous chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui reste plus fier, moi, je dépendais aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300 ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 300 ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes femmes qui nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...